Bon, ben voilà, je suis prête pour partir l'auto. Bon, je pars que dans 1 heure, hein. Je vais partir vers 11h15. C'est pas loin, 11h15, 11h20, ça me suffit pour pouvoir avoir de la place déjà au parking parce que j'ai les cheveux un peu raplapla, je viens de me les laver et sécher, mais c'est pas terrible, terrible comme je vous ai dit hier. Il faut que la coiffeuse vienne, elle va venir le. C'est pas le 3, je crois pas. Je sais pas si ça avait pas marqué. Je sais pas si j'ai mon carnet de chèques là ou si je l'ai. Non, il doit être mis dans mon sac. Là, je suis en train de préparer mes cartons de l'auto. Donc, je ne sais plus ce qu'il me faut déjà. Vous voyez? Alors, tatane, une plaque, je l'ai. Un jaune. Un jaune. Non, deux jaunes. Deux jaunes, deux jaunes. Voilà, deux jaunes, comme ça. Il me faut un rose, un vert, un rose, un vert. Ça, c'est en plus. Le caddie, il m'en faut des oranges, comme ça. J'en ai quatre pour essayer de gagner le caddie. 2 et 2, 4. Des saumons, je vais en prendre que 2. Comme ça. Ces deux-là, je ne vais pas les prendre. Il me faut une plaque, 3 grilles. Et il me faut mes fétiches. Comme ça. 1 et 2. Et la plaque, elle est là. Voilà. Donc. Je joue avec 2, 4, 6, 12 cartons, 12, 14, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et celui-là, on ne joue qu'une fois avec, hein. 29, et celui-là, il y en a 3. Voilà, je joue avec 29 cartons, toute. Non, pas toute la série. Ces deux-là, je les joue. Alors 27, parce que ceux-là, on les joue qu'à partir de la deuxième pause. De la première pause. Oui, après la première pause. Voilà, donc je vais me mettre. Ça, c'est mon forfait. Alors le forfait se compose de une plaque. Ça, attendez que je les mette bien, parce que là, je suis en train de faire des bêtises, je suis encore en train de tout mélanger. D'une plaque, deux jaunes. Ça, c'est le forfait. Deux jaunes. Un rose, un vert. Un rose, un vert. Ça, c'est le forfait. Ensuite, ça, c'est des jeux annexes. Pourquoi j'en ai cinq là? Non, j'en ai un de trop là. Je vais garder, je vais garder, je vais garder celui-là. Ça, c'est le caddie. Ça, c'est le caddie. Le saumon, c'est une partie spéciale, mais on joue avec à partir de la première pause. Et les fétiches, on joue tout le temps avec. Voilà. Donc, je vais me mettre ça. 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 Et ça. Je me mets ça dans ma petite pochette avec les doubles des caddies qu'on donne au contrôleur. Voilà. Et ceux-là, ils sont en plus. Si j'ai envie de jouer autrement, je mettrai ça. Je vais mettre un élastique. Alors attendez, parce que là, vous êtes. J'ai des élastiques ici. Bon, ben, je les attacherai après. Voilà, donc je vais me préparer. Là, je vais finir de me préparer. J'ai préparé mon coca. J'ai préparé ma bouteille d'eau. J'ai préparé une boîte de gâteau comme ça que j'avais acheté cette semaine, mais la semaine d'avant chez Lidl. Je les avais pas emmenés, j'avais emmené les autres. Donc, je vais mettre tout ça dans mon sac. Et puis, voilà quoi. Et puis je vais aller passer ma petite après-midi au loto. Mais peut-être que je partirai plus tôt si je vois qu'il fait noir et que je vois pas bien.
je verrai. Non, ça, j'ai dit que je mettrais un élastique autour. Voilà, donc, ben voilà, c'était tout. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter aujourd'hui, hein, parce que je ne vais pas faire grand-chose. Je vais peut-être filmer une partie comme ça, mais je ne vais pas tout filmer. Je vous la mettrai en vitesse. Là, il faut que je débarrasse mon bol et mon verre qui sont restés sur la table. Voilà, ça va être tranquille. Je vais peut-être me préparer un truc à m'occuper, soit des jeux ou soit un coloriage pour m'occuper jusqu'à 2 heures. Parce que l'auto va commencer qu'à 2 heures de l'après-midi, mais il faut y être. L'ouverture de porte, c'est à midi, mais moi, j'y vais avant parce que comme ça, j'ai de la place pour me garer. Voilà. J'ai rangé 2-3 bricoles dans la maison avant de partir. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 10h30. Oui, je pars dans 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. C'est suffisant. Et puis voilà. Ça, comme je vous dis, c'est à 2-3 km d'ici, c'est pas loin. Il fait pas un temps terrible. Il pleut pas pour l'instant, mais c'est tout juste. Hein. C'est tout juste, c'est tout juste. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas ce qu'il va y avoir dans mon vlog. Je sais pas si ça va quand même s'appeler un vlog. Comment je me tiens, moi? Je me tiens complètement de travers. Et puis voilà quoi. Je vous parlerai peut-être ce soir en rentrant pour terminer ma petite vidéo pour demain matin. Et puis voilà quoi, c'est tout. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis bon, ma nuit, oui, je voulais vous dire, ma nuit, c'était pas encore ça cette nuit. Pourtant, j'ai pris mes cachets à 7h du soir. Hein. Enfin, mon cachet, là, pour Darko, je sais pas quoi. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que son mari en prenait et que ça ne lui faisait rien. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis, eh ben, à dans la journée ou à ce soir. Je ne sais pas. Je verrai si j'arrive à filmer. Ça dépend du monde qu'il y aura. Parce que c'est vrai qu'avec mon trépied, mon téléphone, il y en a qui vont dire, mais elle est frappadingue, la bonne femme, là. Donc, quoi qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, que je suis frappadingue, mais non, j'y suis pas, hein, vous inquiétez pas, je suis pas frappadingue, je sais ce que je fais. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne après-midi, une bonne après-midi, un bon appétit pour midi, et puis voilà. Et puis demain, la semaine recommence. Voilà. Allez, je vous reprendrai sûrement un petit peu dans la journée ou quand je vais partir tout à l'heure. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ben, il est midi. Je démarre. Je devais démarrer un petit peu plus tôt, mais j'ai eu un petit empêchement. Et puis, je pars. Voilà. À tout à l'heure. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai quand même gagné 50 €. Je suis contente. Alors, je vous ai filmé une partie, je vous en ai pas filmé beaucoup. Hein. Par contre, j'ai pas pu jouer avec tous les cartons parce que ça me fatiguait trop les yeux.
Donc j'ai joué et j'ai gagné. Quand j'ai diminué mes cartons, j'en ai retiré, j'en ai gardé qu'un petit peu. Et c'est avec cela que j'ai gagné. Donc ça tombe bien. Voilà, donc je suis rentrée. Il est 20, presque 20 h, il est moins 5. Et puis ben là, je me suis fait chauffer ma soupe. Je vais manger une petite soupe, un yaourt, un fruit. Et puis, j'avais ça dans ma boîte aux lettres. Alors, je savais, de toute façon, c'est j'ai craqué. Comme cette nuit, j'ai encore eu des passages à vide que je ne dormais pas. Et ben, j'étais faire un tour sur Amazon. Et je me suis trouvé des brodes funèbres macarons color. S'ils sont aussi beaux que la photo, je ne vous dis pas, je vais me régaler. Donc, je vais vous les montrer parce que je n'ai pas grand-chose à vous raconter aujourd'hui de ma journée, hein, à part le loto. Là, je suis rentrée, il faisait nuit, et la nuit était tombée, donc ma voiture était garée en marche avant, il fallait la reculer dans le parking. Et ben, j'étais obligée de demander à quelqu'un de me la sortir parce que je voulais pas faire de bêtises. Donc ça va, je les connais, donc... Ah ouais, ok. Est-ce que c'est bien les couleurs que je voulais? Ouais, ils sont pas aussi beaux que ceux que j'ai vus en... sur la photo. Ils font pas pareil. Ils faisaient bien pastel et tout, quoi, qu'ils sont pastels. Hein. Donc voilà, ceux-là. Il y en a sûrement que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Voilà, il y en a 50, je crois. Je sais plus combien j'en ai dedans. Ouais, 50. Pas de fumeur. Je sais pas, cette nuit, bah, je regardais et puis je suis tombée là-dessus. Et puis ben, c'était avant minuit, donc ben, ils me les ont livrés aujourd'hui. Et j'ai ceux-là. Alors ceux-là, je les aime bien parce que c'est les couleurs chères pour faire la peau, donc c'est bon. Si, ils sont beaux ceux-là. Si, si. Donc ben, ça va, j'ai encore une trousse, je vais pouvoir les ranger. Voilà. Donc je voulais vous partager mon petit achat. Bon, c'était pas énorme comme prix. Mais là, je pense que je vais plus retourner au. Enfin, je vais voir ce que l'ophtalmologue va me dire jeudi. Mais je pense que tant que je serai pas opérée, je pense que je vais plus retourner parce que je fatigue de trop. Enfin, c'est pas que je fatigue, c'est qu'au bout d'un moment, faudrait pas. Déjà, il faudrait pas que je prenne autant de cartons que j'en ai parce que. Mais comme c'est un forfait, ben moi je prends et puis mais je pouvais pas jouer avec tout aujourd'hui, c'était pas possible. Bon, j'avais une amie qui était à côté de moi qui m'a pris des cartons, qui a joué pour moi, mais voilà quoi. Voilà, ben j'ai dit je vais quand même leur parler un petit peu ce soir. Là, je vais manger. J'attends, j'ai appelé Coco, mais elle doit me rappeler parce que là elle était occupée. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous raconter. Je suis toujours aussi bien coiffée que quand je suis partie. Voilà, donc bon, demain je ne sors pas. J'ai une amie qui m'a amené plein de poireaux et plein de persil. Et ben, j'ai mes deux amies j'en ai pour mes deux amies aussi parce qu'elles n'étaient pas avec moi aujourd'hui. Et je vais leur donner, je leur ai dit de venir demain pour venir les chercher. Et puis voilà. Enfin, je leur ai dit que je les avais maintenant. Est-ce qu'elles vont bien venir demain? Je ne sais pas. Mais je pense. Voilà, non, parce que ça ne va pas se garder éternellement des poireaux, hein, c'est pareil. Donc, ce que je vais faire les blancs en vinaigrette, et, parce qu'ils sentent, ils sentaient fort, ils sentaient fort, c'est vraiment des poireaux cultivés, là, ce n'est pas ceux du supermarché. Hein. Et ça sentait bon même, j'adore sentir le poireau. Et puis, voilà quoi. Donc, oui, je vous disais, je vais les faire cuire les blancs pour les faire en vinaigrette, et puis les verts, je vais les garder pour faire en soupe. C'est gentil, elle me dit, vous aimez les poireaux? Ou tu aimes? Des fois on se tutoie, des fois on se dit vous, ça dépend. Oui, je suis en train de jouer avec un élastique, en plus ça m'énerve. Et elle me dit parce que je t'ai ramené des poireaux et puis pour, je dis pas les prénoms, pour un tel et un tel, elles vont venir les chercher chez toi. Je dis bon, bah d'accord, pas de souci. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est tout, je vais terminer. Ah,